Ah, voyons, Kubuck, tu vas pas encore faire la tête comme hier. Si, Rourou, et toute la journée demain s'il le faut. On est confinés ici, et tout ça pourquoi? Il pleut comme vache qui pisse. Et Skia qui n'est toujours pas rentrée de la course que je lui avais demandé. La Miss Cogneuse n'a peut-être pas envie de se mouiller. Elle est là! Elle est là! Je la vois! Elle arrive! Elle est là! Oh, comme cette nouvelle me réjouit! Cela n'a pas été facile de le transporter, mais bon, les affaires vont pouvoir reprendre. Oh, Skia, cela me réjouit que tu en aies trouvé un, hé hé! Bon, je vais te laisser le mettre en place, et moi, je vais tout préparer pour notre prochaine vidéo. Et Roro va te donner un coup de main. Quoi? Ça marche, mon chou. Je ne suis pas chou! Bon, c'est bon, tout est en place? Oui, oui, Oncle Buck, tout est prêt. Oh, je suis tellement impatient de savoir quel film va sortir de la boîte. Oh, je peux plus tenir en place. Il faut que j'ouvre cette boîte. Hein? Hein? Non, Bibi! Quoi? On a entendu un gros boom, qu'est-ce qui s'est passé? Toi! Quoi? Moi? Ah, j'ai comme l'impression que pour cette fois, ce n'est pas moi qui vais me recevoir un pain. Tu as osé ouvrir ma boîte en mon absence? Déjà de 1, je n'ai pas ouvert ta boîte. Et de 2, fais très attention à ce que tu vas dire sous mon toit! Arrête! Ce n'est pas ton toit! On sait tous que ce n'est qu'un emprunt. Ah bon? Moi, je savais pas. Tu mériterais que je t'enferme dans la boîte! Essaye un peu pour voir! Au fait, c'est quoi ce film que la boîte nous a sorti? Je ne le connais pas. Oh, mais... Oh... C'est une relique! Une merveille! Non, mais regardez-les-moi, ces deux-là. Collez-leur un bon film sous le nez et ils arrêtent de se battre. 20 000 lieues sous les mers est un film de la Walt Disney Company, sorti en 1954 et réalisé par Richard Fletcher, réalisateur qui a marqué l'histoire du cinéma avec des films comme Les Vikings en 1958 ou le film Conan en 1984. Minute, pas ce film Conan. Rectification. Voilà, ce film Conan. Et oui, cela a marqué sa fin. Mais la fin de qui? De Richard Fletcher ou de Conan? Les deux. Pour mieux vous resituer dans le contexte de l'époque, les années 50 pour la compagnie aux grandes oreilles ont vu l'arrivée de films très connus de nos jours comme Cendrillon, Peter Pan ou La Belle au bois dormant. Et c'est durant ces années-là que Walt Disney commença à sillonner de nouveaux types de terrains pour l'avenir de sa compagnie. Étant un visionnaire de première et étant un homme aimant prendre des risques, Disney profita de sa période entre guillemets « touche à tout » pour commencer à travailler sur des projets comme la construction d'un parc à thème sur les univers qu'il a créés, ce qui aboutira à l'ouverture du parc Disneyland en 1955, et également, la compagnie se lance dans le cinéma en prise de vue réelle, avec des films comme L'île au trésor de 1950 et notre film du jour, 20 000 lieues sous les mers de 1954. C'est bon? Vous arrivez un peu à vous remettre dans le contexte de l'époque? Parfait! L'histoire du film se déroule en 1868, où des événements graves touchent les compagnies maritimes. De nombreux navires se font couler par un soi-disant monstre marin. Le professeur Aronnax et son domestique Conseil, oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, partent en expédition en pleine mer à la recherche de ce monstre et où ils vont se lier d'amitié avec le harponneur Ned Land durant le voyage. Lors d'une nuit, leur navire est attaqué par le monstre dont les seuls survivants sont Ned, Conseil et Aronnax. Le fameux monstre s'avère être un sous-marin, le Nautilus, appartenant au capitaine Nemo et à son équipage. Nos trois héros sont capturés, mais sont plus considérés comme des invités par Nemo grâce à la relation qu'il entretient avec Aronnax. S'ensuit alors une fantastique odyssée à travers les océans, où nos héros découvriront un tout nouveau monde,
mais seront confrontés à des dilemmes au sein de leur groupe et des divers dangers, que cela soit à l'intérieur du Nautilus, mais aussi des dangers venant de l'extérieur, surtout quand on plonge à plus de 20 000 lieues sous les mers. D'un point de vue personnel, le film n'a pas si mal vieilli. Les décors intérieurs du Nautilus sont magnifiques, mais on voit quand même de l'incrustation par moments, pour la vue depuis l'intérieur du navire par exemple. Les personnages sont attachants et souvent drôles pour la plupart. Conseiller Ned par exemple. Allez Conseil, frappe-moi. Hein? Mmh, tape-la. Vous y tenez? Oui, allez, vas-y, à la mâchoire. Nous voilà frères. Ça contraste vraiment avec l'œuvre originale de Jules Verne. J'ai essayé de la parcourir pour faire une comparaison complète, mais elle est très compliquée à lire avec ses nombreux cours sur les poissons donnés par Conseil, ainsi que les chiffres. La plupart des technologies utilisées sur le tournage, notamment pour les combinaisons du Nautilus, ont été possibles grâce à une invention de deux Français à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le scaphandre autonome de Émile Guingamp et le très célèbre capitaine de la Calypso, Jacques-Yves Cousteau, dit le Pacha. C'était quoi ce truc-là ? J'en sais rien. La musique s'est déclenchée quand elle a dit Jacques-Yves Cousteau. Hein ? Jacques-Yves Cousteau ? Hein, c'est rigolo. Sans leur invention, la plongée moderne aurait beaucoup de retard et le film n'aurait pas pu voir le jour avec ses magnifiques scènes aquatiques. Dans un sens, je suis contente que Disney ait pris des libertés sur le livre, en faisant commencer l'histoire à San Francisco au lieu de New York, comme dans le livre. Mais je regrette quand même la scène de la première rencontre avec Nemo dans l'œuvre originale. Je laisse les curieux qui voudraient découvrir cette scène lire le livre. Accrochez-vous juste. Même si le film peut être assez sombre par moments, il reste quand même pour moi un très bon film pour toute la famille. Les enfants peuvent ainsi découvrir un classique de la littérature, tout en voyant les merveilles de l'océan. Le film est facilement accessible depuis la plateforme Disney+. En ce qui me concerne, le souvenir que j'ai pour ce film m'est très cher. Parce que c'est avec ce film que j'ai découvert que Disney faisait de très bons longs métrages en live action, avec un autre. Mais également m'a fait découvrir les adaptations cinématographiques d'œuvres littéraires. 20 000 lieues sous les mers prend suffisamment de liberté pour se démarquer de l'œuvre de Jules Verne, et ainsi créant sa propre identité. Le film transmet de très bons messages, comme le rapport de l'homme face à la nature. Malgré sa supériorité technologique, l'humanité a-t-elle un contrôle total sur son environnement ? Ou encore des messages humanistes, avec la morale du film, la confrontation entre l'individualisme et le bien commun. Comment un être a-t-il pu concevoir un tel navire et réussir à asservir une telle puissance qui dépasse les rêves des savants les plus hardis ? Voyons, c'est un secret à révolutionner le monde. Ou à le détruire. Et tous les personnages du film me plaisent énormément. Que cela soit le professeur Aronnax, l'idéaliste, Ned, le réaliste optimiste, Conseil, l'altruiste, Nemo, le pessimiste, et sans oublier le côté naïf représenté par la toute première Esmeralda de Disney. Quoi ? Il y a vraiment Esmeralda dans ce film ? Une otarie ? Non, attendez, vous nous faites marcher, là. Elle s'appelle pas vraiment Esmeralda. Tu sais, Esmeralda, il y a que toi qui me comprennes sur ce sacré rafio. Donne-moi une mise. C'est pas une blague. Elle s'appelle vraiment Esmeralda. Malheureusement, ce film est trop oublié par le public, malgré des signes de la preuve de son existence. Qui sont devenues, hélas, de moins en moins nombreuses au fur et à mesure des années. En effet, dans les parcs Disneyland par exemple, 20 000 lieues sous les mers a été l'inspiration de plusieurs attractions. En 1955, lorsque Disneyland a ouvert ses portes, une des attractions proposait de pouvoir visiter les décors, en particulier rencontrer le calamar géant. Mais cette attraction a fermé ses portes en 1966. Seulement 11 années d'existence avant sa fermeture. Ouais, c'est pas de bol. Cela dit, l'orgue du capitaine Nemo que l'on voyait dans le film fut réutilisé dans l'attraction Haunted Mansion, toujours à Disneyland. Une réplique est d'ailleurs présente dans notre cher Phantom Manor parisien. Ouais, mais cet orgue n'a jamais fonctionné, y compris durant le tournage du film. Mais Sniff, cela ne marche pas. En 1971,
lors de l'ouverture du parc Walt Disney World en Floride, il y avait une attraction qui portait le même nom que notre film du jour. Elle consistait à embarquer à bord du fameux Nautilus pour un voyage sous-marin tout en croisant, en chemin, le fameux calamar géant. Avait ? Oui, parce que cette attraction a fermé ses portes en 1994. Mais t'as fini de faire le briseur de rêve ? Oh, excuse-moi. Mais si j'agis ainsi, c'est pour donner un bon coup de pied au cul aux gens afin que l'on puisse sauvegarder les deux dernières attractions qui existent encore dans le monde. Celle du parc Tokyo Disneyland Resort et bien entendu celle de Disneyland Paris, qui est une attraction de promenade immersive dans l'univers du film. Malheureusement, cette dernière est de plus en plus délaissée par le public au fur et à mesure des années et risque de fermer ses portes à son tour. Hé hey, papa, cette attraction elle est chiante et il ne se passe rien. En effet, et en plus je ne vois pas le moindre rapport entre le Nautilus de Jules Verne et un dessin animé de Disney. Je patauge dans l'imbécilité. En fait, pour rester courtois, cela serait malheureux que les derniers souvenirs de ce grand film disparaissent. Surtout que ce film recèle encore des trésors et des mystères à découvrir. Comme par exemple que ce film a failli faire couler à lui seul la compagnie aux grandes oreilles. Mon pognon ! Bon bah voilà, on va se quitter sur ces belles paroles en vous invitant à aller découvrir par vous-même ce super film et de partir déceler ces mystères si le cœur vous en dit. Et en vous donnant rendez-vous pour la prochaine fois pour un autre souvenir de Disney. Oui, en espérant que pour cette prochaine fois, Monsieur le Grand Dadais voudra bien se tenir tranquille sans essayer de me piquer la vedette. Je t'ai déjà dit que c'est pas moi qui l'ai ouvert, ta fichue boîte. Va dire ça à d'autres, mon chou. Arrête de m'appeler ainsi. Non mais tu sais à qui tu parles? Oui, à une vieille pie. Tu sais qu'est-ce qu'elle te dit la vieille pie? Non! Qu'est-ce qu'elle me dit la vieille pie? Hihi, je vais prendre le pouvoir. Oh fichtre. La peluche qui louche. Une vermine. À mort. Il vaudrait peut-être mieux qu'on les laisse s'amuser entre eux. On reviendra quand ils auront fini de jouer. Ouais, bonne idée. Tiens, si on allait chez quelqu'un chez qui on n'est pas encore allé. Prince et princesse, qu'est-ce que vous en dites? J'adore cette famille. Avec eux, c'est toujours n'importe quoi. Hé, hey, attendez-moi. Au fond de la mer, on trouve un œuf.